Bonjour, monsieur Berthé. Bonjour, maître. Tu es Berthé? Oui. Pour que qui il me souffle là là dedans à dépenser petit job au million qu'il n'a wa ni mi kloshi mu souffle la fou beke ça va bouyer cap embalia de ka dou. Maître neka jati la bembalia ka chan mu so kelen tou de ka dou ko no ka tamé mu so chan antou taka. Mais comment ça il faut ka dam ne ka maître ni jati mi neke banabi Kenya B, Dugutara B, wa saya yere fana B. Oh, nous avons sur M Roman nous ouvre fru, fou nous sonne Kelly. Afouni chega na beka kan? Aywa, ne ko ni bado, ambe domina iko B. Akadiye karozu fru kadu ikaso. Nga ikadon, ikadon ko Mariam deye ikaso chema yiri. Sabula, Mariam deye musu foloi. Maître, ni ka conseil mais il y a qu'il a dit qu'à fond, Sharia, ani tlinenya, ou bien qu'on est à manu voyant tout bon. Niko, an yerebe ni mbela ou, y a li yi moussoufolo la donia yka moussoufla na furko la wa. Maître, otmana, ni moussoufolo de bina ke sababuye ka ni ka moussoufla na furko décidé. Mais des douteries, waouh, allez des douteries. Berthé, hein? Mais ça vous est, il y a qui a douteries. Nga, j'ai qu'à faire des yurami. Bembe. Allô? Ah, Djami Doua. Bonjour, Djami. Vous allez bien? Qui vous a téléphoné? Qui vous a appelé? Ah, monsieur Berthé. Aïe, ma séambi. Il m'a aidé, Djami. Monsieur Berthé a commandé une fantaisie de manine au rosier. A ton cas, il y a un gars de soi, quoi. D'accord, Niamé. Aïe, calme. Alors, gros bonnet. Ah, tu veux dire? Ça va? Ça va. Il est bien? Mm-hmm. Ah bon? Merci. Ah bon, merci. Ah, Rose, non, 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 non. Puisque, il y a une lettre de Tchamantima, il m'a si Djabi. Oui, je me l'aime. Rose, bon, tu sais, il y a quoi qu'à dîner? Vraiment, si c'est possible, je vais faire qu'il fou. Mais pourquoi dire Berthé? Quoi du bon? Rose, je vais faire fier que tu es malin. Et pour faire aller fou Berthé? Je vais faire qu'il y ait un souci, Rose. Je vais faire qu'il y ait un Berthé. Maintenant, il faut que tu connais Rose bien simple. Pour que tu aies un peu de temps, tu vas faire qu'il y ait un Rose, je vais faire qu'il y ait Toko, et une fois qu'Adam Mundeka, et mon client de Nano a un jabi ni tchoué nata. N'y a-t-il donné ta Berthé, mais.
Bogo Bertine là, mon frère. Oh, Rose. Quel est le bateau et ce qu'elle nous souhaite? Comment tout à Bert? Follow. Mariam, don bena duje kanu. Ni yemi ke domi. Ibo tani alay. Nya famu. Nya tani alay furu bonya koso. Hakata da. Qu'est-ce que c'est que ces papiers? Ordonnance de don. Nga sajwam de koko ka frasa. Mariam, bonjour. Maître. Ça va? Bonjour. Ça marche bien? Ça va. Papou. Papou, il est là. Bien. C'est moi, oui. Torasoula. Il est formé. Ah, quel est formé? Ah, quel est. Ça va? Ça va, oui. Bah. Ngachedn, Atiyan. Aya, Bora. Aha. Atisora, Sane Bernard. Il te regagne. Ni 3h du matin, ou les 4h du matin, Atidosso. Et mon cousin? Ami, nous sommes au courant de la. Nenin de onde be magar kola ya sunitle. Mariam. Naam. Musukurako. Ça c'est autre chose. Mais akadugutla ma fait doni. O konte dutuki kabara de. Mais bo yoroto nema. Mi mena fait ka ofiyé. Oui ka munudi. E ka sabali. Furuire toye munu ajamu ye sabali. Musokura cité do kobi dia soro bertela e ma dia misro musokura cité do e kaya kobi na deun soro no oludeun mi korea e deun musokura cité do mi mi seke ka muso folo ya place mine ila ibe munyu ki deun fle ni ta berte ka koufe ibi deun ka sinitie alisa e ka dofra e ka munyuka e ka sabali e ki du soufra. No kera idiumbe barka wa Mariam. Naam. Abe laba itala. Aye, ni ga kuma me Bernard. Nala sonana. Mba tu itala. Bon ne kontu na na boawi ambi parce que dimanche kundo. Eh. Awo mena siki. Oh ayo jarani. Gaite dumuni ngono. Eh, merci Mariam. Ça va ça te la kona ça. Merci, merci. Abe be chien wore. Eh. Abe be chien wore. Ah ayo basa. Ani baraji. Aba. Nanana. Awa. Iba faye kaki jija kasema birula yin. Aya basa. Komo gobala. Rose. Oui. Je voudrais improviser une promenade. Mais tu es déjà en promenade? Comment? Puisque tu n'es pas chez toi. Mais je veux une promenade à deux. C'est-à-dire? Toi et moi? Je n'admets que c'est le rendez-vous. Tu n'es pas tolérante? Je t'ai sanctionné. Mais tu m'as refusé la sortie. J'accepte ta proposition et je t'attends à la prochaine. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu
Anoula. Oui. Voilà. Ouais. Ah, comment tu dis? Ah. Comment tu dis? Doula. Ah bon, il faut faire un doula. Appelez-le. Voilà. 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 Ok. Ah non, un gâteau de sa maman. Ah, d'accord. Ça va? Ah, il y a la veine. Il y a beaucoup de choses. Bon, donc, ça va. Donc, vous avez donc, qui a donc à qui l'a dit, vous n'en avez pas dit, hein? Donc, allez. Voilà. Ouais, quasi. Ah, ouais. Ah, bon, il est bon. C'est une qui a dit que Rose, il t'amène. Il m'a dit que tu es là. Ah bon? Oui. Il m'a dit que tu es là. Allez, c'est la même. Allez, c'est la même. Il y a à Saint-Julie, ou bien Calo-Julie? Bon, il y a à Calo-Robo. Attends, à Calo-Robo? Oui, oui. Parce qu'il y a fait une de ses. Ah, d'accord. Oui, oui. Ah, vraiment, il y a rien. Amnata, Rose. Amnata, Rose. Amnata, Rose. Amnata, Rose. Ah, d'accord. Il va te mettre un coup de bourre là, Yami. Ah bon, merci. On dit à la gante. Ah, Mina. Bon, comme vous. Bon, non, mais. Bon, Rouge. Allez, c'est ça. Allez, allez, Samba. Allez, bye bye. Allez. Samba, allez, bye. Allez. Ah, Corima Sangale. Yes, c'est que la. Ah bon? Ça va, il y a quoi en fait? Et ça va? Et ça là qui il me va vous en fait. Il va se ravoir avant. Oui. Ouais, net se ravoir avant. Non, mais là, voilà. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Qu'est-ce que Rose, tu es un peu plus de temps. Il est là.
Berthe e che muso tigide. Est-ce qu'il va donner muso minye? Muso te fara neka, te fara muso kan kele min che kele. Rose, ou te problème yé? Né sona. Hein? Même muso folo furu sa ki furu? Mais non, tu m'as dit que Berthe e bise ka mure ken pour que me se ka furu kuma. Rose, ni ko fero fembo ki. Ibe ferabo. Kamoto sani ani congélateur. Non ta nga furu ko bisonga gele a Berthe. Eh! Obe? Ne kelen dum no beke ya. Me ba kleni tchonche Berthe. Non, ça va. Nsona. Nsona, ere kon bado ne boke sa. Djel bi poche kon a de Berthe. Bon, ire kala jeke. $6,000 Je n'ai pas de papier, Berthe. Eh, bon. Je suis venu à la cité. Eh, tu es 6,000 francs, c'est que chaque fois que je suis venu à la fara. Ali kana fara to la lage. Ah bon? Ali kana fara to la lage. Kunga na la jere. Afria. Rose, ni 6,000 francs na i na chaque de venir me rocho. Hmm? Ne ko no mbadi ma neve chaque de ke kadima. No, fo 6,000 francs ko lawa. Hmm. Ki bisra wara onyeke. Na te sra wara nye, nere wara badi. Musa ga de dola. Na, be da korib na yo. Eh madoko Berthe tay ngara dakan djugue sa ala na fora ko ni dutigi to Berthe de ti doaka so ni 3h du matin te wania sege sege abe soro musora de kabuluka jono jome dala joro sege dala datigi ko ngadale Tigito, ni est donc ma écasso. 3h du matin, vraiment, c'est cool. Eh, Mariam, Imaewa, ne ben à Soudi. A Wadibia Lentica, Icatouya. Il sait qu'il y a maintenant, tiens, à Tissomoro fait, n'est pas doute la finale de Kuife. Berthe, Fatene la yanga teme eka. Wa batene la yanga teme eka. Iena furusula a dit Faradela. Wa anoti hamna webi Berthe. Iba de quoi qui m'a dit ton yamana. Ça suffit! Assez, ne me réponds pas comme ça. Aïe, tu me gâtes en fait ça. Pleure tout de suite. Vite. Ne coule là, ça même roule du bon. Télia. Il y a la main fait qui boule là pour rouler ça. Fais-nous un film sur nos deux gars de la Bourgogne. Et tu es là, on m'a dit. Et bien, comme mon nom. Mais arrêtez une quoi. Bito et Mousso, on s'en a eu un pour m'y gâcher, je suis 600. Tout de suite. Tiens, Berthe. Oui. Pour que Kassini Mousso Flanaf a dépensé des titres au million de l'année. Ou à l'île de Roche. Mousso Flanaf, mais qui s'est oublié quand il n'y a pas de l'année. Maître, n'est-ce pas que tu es là? Bembalia ka chan muso kelen tugu de ka du kono ka tme muso chaman tugu taka. Mais comment ça? Ebe o foka da munika. Maître, ni e jati mineke. Bana bi, kene ya bi, dugu taka bi, wa saya yere fana bi.
n'a pas de temps à faire. Il faut que je me fasse. Il faut que je me fasse. Quand on a fait des choses, on a fait des choses. 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 On a fait Maître, je vous conseille. Mais il y a des choses qui sont fortes. Sharia, on a fait des choses. On a fait des choses. Tu as fait Berthe. Je ne sais pas si tu es un homme. Hé, Maria, je suis un homme. Je suis un homme. Je suis un homme. Je suis un Je suis un homme. Je suis un homme. Je suis un homme. Je suis un homme. Ne ben funu saya ka muso wara lado hal sheta wuli ka ba fawa kana fo ki di yere la fligo berté ibe fe ka preuve de ni pour que ta ne implique chugomina na yi ya berté sini beta justice la justice ba ka furu sa ka wdo Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Bien. Et de Maître Maïga? Oui, de Maître Maïga. Ah bon, né Monsieur Berthé. Monsieur Berthé. Ah bon? Ça va? Ça va. Bien. Maître? Oui. Et comme il y a un dossier au-delà du tribunal, je vais faire un mousseau pour ça. Vraiment, je vais faire un demain, quand il y a un avocat. Il n'y a pas de problème. Mais encore papier, ben, donner tribunal là-bas. Il y a papier, ben, là-bas. Il y a un bureau là. Il faut dire quoi, il y aurait des mêmes missions. Bon, demain 10h, il y a un bureau là. On va discuter avec un conseiller. Quoi. Bien, famille. Bien, famille. Voilà, bon. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Maître Bernard, il m'a dit que il y a plein de gens qui ont été furus. Je ne sais pas si je suis furus. Maria. Non. Ni ni Berthé Kateria ka corona ka furu. Son cité Berthé la né Bernard de Minkalama. Namanya kay plainte la do pour que ki furusa né nanjo avocat défenseur Diorola ki ka furusa bali ayo nyame Madame Berthé Mariam Diallo à la barre. Vous vous appelez Mariam Diallo. Vous êtes née en 1968 à Bamako de M. Bourama Diallo, employé de commerce, et de Kadi Diawara, ménagère. Exact, Monsieur le Président. Mariam Diallo, vous êtes l'épouse de M. Berthé et père de deux enfants, tous vivants. Exact, Monsieur le Président. Mariam Diallo, vous êtes accusée pour tentative d'assassinat à travers un bandit armé contre M. Berthé, votre mari. Êtes-vous d'accord de cette accusation? Non, Monsieur le Président. Je ne suis pas d'accord. Je suis innocente dans cette affaire. Vous pouvez donc expliquer à la Cour les détails de cette tentative d'assassinat dont vous êtes accusée. Jurez de dire la vérité. Rien que la vérité en levant la main droite, conformément à la loi. Je le jure. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, sans pourtant définir ce procès, Monsieur Berthé a déjà la bénédiction de toute femme du monde en acceptant de se marier avec moi il y a de cela 5 ans. Nous avons eu des enfants. Nous devons contribuer valablement pour qu'ils réussissent dans la vie. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, c'est vraiment curieux d'entendre qu'une femme soit accusée de tentative d'assassinat contre son mari. Que deviendront mes enfants si j'assassinais leur père? Quels sentiments auront-ils à mon égard s'ils l'apprenaient un jour? Monsieur le Président, je n'ai de père ni de mère si ce n'est Monsieur Berthé et encore moins de famille si ce n'est cette famille. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, je vais vous relater au juste ce qui s'est passé
Monsieur Berthe m'abandonne chaque nuit seul avec mes enfants pour ne rentrer qu'à 4 heures du matin au profit de sa maîtresse. C'est au retour d'une de ses sorties nocturnes, plus précisément le lundi 18 juin 1989, que mon mari fut suivi par un individu suspect jusqu'à son domicile. Quand il tapait à la porte, m'ordonna à lui ouvrir, que je fus surprise de constater qu'un bandit a profité de cette occasion pour accéder dans la chambre avec une arme braquée sur nous. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, quelle serait ma complicité dans une telle situation? Je vous comprends. Dites votre dernier mot. Monsieur le Président, je n'ai jamais privilégié le divorce. Je supplie Monsieur Berthe pour le retrait de la plainte. Vous pouvez aller vous asseoir. Justice sera rendue. Monsieur Berthe, à la barre. Jurez de dire la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite, conformément à la loi. Je le jure. Vous avez suivi la déclaration de votre femme. Pouvez-vous nous relater les faits? Monsieur le Président, je ne veux autre solution que le divorce. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais poser une question à Monsieur Berthe. Vous avez la parole, Monsieur le Procureur. Monsieur Berthe, est-ce que vous pensez avoir répondu à la question? Répondez, Monsieur Berthe. En tout cas, j'ai parlé. Répondez par oui ou non, Monsieur Berthe. En tout cas, j'ai parlé. Monsieur Berthe, je tiens à vous préciser que la Cour est là pour analyser toutes les déclarations, ensuite trancher les différends et situer les responsabilités dans l'impartialité. Ainsi, la Cour est appelée à se prononcer sur un problème d'ordre social. Si nous devons considérer que tous, nous sommes ici de l'union d'une femme et d'un homme, c'est pour vous dire que le mariage est un acte capital dans la vie humaine. Acte que nous devons tous contribuer d'une façon ou d'une autre pour le protéger à vie, à la mesure de nos capacités. Vous pouvez continuer. La Cour appréciera. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous pouvez aller vous asseoir. Justice sera rendue. La défense. Maître Bernard Alabar. Monsieur le Président, Mariam vit dans des conditions très misérables. Est-ce que c'est votre faute pour le savoir? Taisez-vous, Monsieur Berthe. Attendez que vous ayez la parole pour intervenir. Maître, vous avez la parole. Je disais donc que Mariam vit dans des conditions très misérables où elle n'a presque pas de repos. C'est vous qui le dites, puisque vous êtes plus renseigné dans ses activités plus que son mari. Et j'espère qu'elle ira se reposer chez vous après le divorce. S'il vous plaît, on n'applaudit pas ici, ou je vous fais sortir. Monsieur Berthe, faites attention. La Cour a du respect pour vous. Continuez, maître. Je vous donne un exemple concret sur la vie de cette femme, Monsieur le Président. Dès l'aube, elle est sur pied pendant que les autres membres de la famille dorment. Mais, puisqu'elle est une femme mariée, elle doit le faire. Vous avez parlé pour ne rien dire. Monsieur Berthe, je vous interdis d'intervenir sans mon autorisation. Vous avez la parole, maître. Monsieur le Président, dites à Monsieur Berthe de me laisser faire mon travail. La Cour prendra acte. Continuez, maître. Chaque matin, elle balaie la cour. Et ce n'est jamais propre. Monsieur Berthe, la Cour a du respect pour vous. Elle puise de l'eau depuis et prépare le petit déjeuner au plus tard à 8 heures. Elle sera au marché. Tout en passant chez vous, maître. Tout en passant chez vous. Monsieur Berthe, dernier avertissement. Maître, vous pouvez continuer. Mariam complète le prix de condiment dont Monsieur Berthe ne participe pas. Hein? Et où dois-je vous dire? Monsieur Berthe. Monsieur le Président, je refuse que je sois interrompu. Comment va-t-il savoir que je participe moins à donner le prix de condiment? Allez, monsieur Douan. Monsieur Berthe, attendez que vous ayez la parole pour intervenir. Maître, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur Berthe assiste indifféremment à l'affaiblissement progressif de sa famille. Sa femme et ses enfants vivent dans l'insécurité nuit et jour.
par son absence constante auprès de sa famille. Tous ces exemples pour vous dire que ma cliente se trouve blessée dans sa dignité. Absolument. Tous ces exemples pour prouver que vous connaissez ma femme mieux que moi. Ma vie privée, vous l'avez escroquée. Ah oui, je vous croyais, mon ami. Mais jamais je m'attendais à un espion. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, si vous êtes proposé d'avoir un confident, eh bien je vous propose Maître Bernard. Silence! On n'applaudit pas ici, ou je vous fais sortir. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, honorables assistants, je m'adresse à vous dans le cadre de la justice, le respect social. Pour toutes les femmes mariées, j'invite courageusement votre participation, votre application pour la bonne marche des mariages dans les foyers et en mesurer les conséquences d'un divorce. Que justice soit rendue. La Cour appréciera. Maître Maïga, à la barre. Monsieur le Président, vous venez de constater avec moi que mon client se trouve manipulé par ses ennemis. Sa vie privée ne demeure plus un secret pour lui. Donc, j'interpelle la Cour d'aider sans complexe M. Berthe à se protéger contre son assassin et ses complices. Maître, vous pouvez défendre votre client, mais n'impliquez surtout pas la Cour. La Cour n'a et n'aura jamais de complexe devant ni l'accusé, ni les plaignants, ni les avocats pour dire la vérité. La Cour est impartiale dans sa mission. Vous pouvez continuer. Je le retire, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mon client préfère le divorce que de se laisser assassiner par sa femme. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, honorable assistant, pour la sécurité de mon client, je vous demande de mesurer la portée d'un assassinat. Que justice soit rendue. Merci. La Cour appréciera. L'audience est suspendue. Elle sera reprise tout à l'heure. Monsieur Berthe et Madame Berthe, Mariam Diallo veut suivre le verdict de la Cour. Monsieur Berthe, la Cour vous confie Madame Berthe, Mariam Diallo. Et en confiance en vous, tout en espérant que vous demeurerez fidèle à ses conseils, pour prévaloir l'esprit de sacrifice afin de sauvegarder votre mariage. C'est pour vous dire que votre mariage ne peut prendre terme ici. La Cour ne s'engage pas pour un divorce. Votre famille vient de connaître son apogée et la Cour vous souhaite un heureux ménage. Encore est et demeure un acquis. Merci. Thank you.
I'm a lot of